Vous le voyez, jeux vidéo et bande dessinée ont toujours fait bon ménage. Comme prévu, on va découvrir tout de suite Astérix et Obélix XXL. On a rendez-vous avec Jean-Marie, le créateur du jeu. Vous me suivez? Salut Jean-Marie. Salut. Tu vas bien? Bien, toi? Bien, très bien. Jean-Marie, c'est le patron de Étrange Libellule. Vous aviez déjà fait les jeux de Kirikou et de la Panthère Rose, ouais, dont on avait parlé à l'époque d'Henri VII. Mm-hmm. Alors ça peut surprendre une émission spéciale consacrée à un jeu vidéo tiré de Astérix, parce que généralement, les jeux vidéo d'Astérix, c'est vraiment pas génial. Et là, si on a décidé de faire une spéciale Astérix XXL, c'est parce qu'on a carrément craqué sur ce jeu. Alors qu'est-ce qui fait que ce Astérix est bon alors que les précédents ne l'étaient pas vraiment, quoi? En fait, on a eu une approche dès le départ, au moment de la conception du jeu, on s'est dit, on fait un jeu vidéo avec deux super-héros qui, quand ils prennent de la potion magique, deviennent des furies guerrières. Donc toute la phase de conception, en fait, s'est axée sur ces points-là, sur les points de gameplay à développer, sur l'action et la maniabilité du personnage, ce genre de choses, quoi. Mais pas du tout sur... on s'est pas dit au départ, on fait Astérix et Obélix, voyons voir ce qu'il y a dans la BD, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien respecter chaque planche, etc. Non, on s'est dit on fait un jeu vidéo. Et après on est revenu en fait vers la BD, vers Astérix et Obélix. Quoi. Donc on a eu ce parcours en fait, on a eu cette démarche. On fait d'abord un jeu avec deux super-héros et qui effectivement sont des personnages de BD, mais bon, c'est avant tout un jeu vidéo quand même. Il y a combien de personnes qui ont bossé sur le jeu? Il y a 50 personnes en tout. On les présente? Oui, on va y aller. Ouais. On y va? Ouais. C'est à deux pas d'ici, c'est parti. Alors moi j'ai remarqué que Astérix et Obélix dans le jeu, ils sont pas tout à fait comme dans la bande dessinée, je me trompe? Pas tout à fait, oui, effectivement. Alors en fait, je pense que pour ceux qui connaissent bien les personnages Astérix et Obélix, bah, ils vont les reconnaître, parce que ça reste quand même Astérix et Obélix. Mais c'est vrai que quand on regarde dans le détail, effectivement, il y a tout un tas de choses qui ont évolué, qui ont changé pour justement faire des deux personnages, bah, des personnages de jeux vidéo, quoi. Donc il y a des matières qui ont été rajoutées, il y a des détails qui ont été rajoutés, qu'on a fait évoluer, donc comme par exemple les ailes sur le casque d'Astérix. Donc bah, initialement, ce sont des plumes, hein, d'accord, et en fait, nous, on en a fait des ailes métalliques beaucoup plus design, donc c'est un petit peu plus, agressif, c'est brillant, c'est beaucoup plus en phase aujourd'hui, ouais, avec l'idée qu'on se fait d'un personnage de jeu, quoi. Et Robin, par ici! Et puis, dans le jeu, il y a également des tenues cachées, des tenues bonus. On les débloque comment? Ben, en fait, il y a toute une partie exploration dans le jeu. Il y a un certain nombre de lauriers en or à découvrir dans chaque pays. Et quand on trouve le bon nombre de lauriers dans un pays, ben, on débloque un costume. Donc on a des différents costumes. Donc on peut avoir Astérix en légionnaire, en pirate. Oui, alors on a même aussi en maillot de bain. On peut... Donc on peut débloquer ce genre de costume. À chaque pays correspond un costume qu'on peut débloquer soit pour Astérix soit pour Obélix. Bon, et voilà. Ce que Jean-Marie ne vous dit pas, c'est qu'il y a des costumes que vous ne verrez jamais dans le jeu parce qu'ils n'ont pas été gardés. Mais est-ce qu'on peut les voir pour Reset? Un petit peu. Quelques-uns. Ouais, d'accord, ok. Il y a moyen? Ouais, il y a moyen. Par contre, c'est top secret. Hein. Ouais. Donc en cow-boy, avec voilà, en Elvis Presley, ça, en super-héros... Ça, on le verra pas, ça. Non, on le verra pas. On va regarder. Là, on va en martien, etc. Non, en fait, on s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup amusé. On continue la visite? Ouais. Je Alors on est maintenant avec Benjamin, ça va Benjamin? Ça va bien. Ouais. Benjamin, il s'occupe un petit peu de régler notamment la difficulté du jeu. C'est toi qui places les ennemis dans les niveaux, quoi? C'est pas moi qui place les ennemis dans les niveaux en fait, c'est moi qui propose les outils qui permettent aux codeurs scénariques de placer les ennemis dans les niveaux. D'accord. Et régler la difficulté. T'es développeur, justement. T'es informaticien. Je suis informaticien, quoi. Voilà, d'accord. Je suis programmeur. Bon, montre-nous un petit peu comment ça se passe alors. Alors ici on a un squad. C'est-à-dire un groupe d'ennemis. Alors en fait, dans le jeu, les ennemis sont groupés de façon à ce que leur déplacement puisse être coordonné entre eux, ouais. Et de façon à avoir une intelligence de groupe plutôt qu'une intelligence individuelle. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on place un squad comme ça, voilà. Donc là, on a la zone où il va pouvoir se déplacer. Ouais. Et ensuite, on va lui donner ce qu'on appelle une chorégraphie, c'est-à-dire un ensemble de positions pour ses membres. Et tu peux choisir par exemple d'avoir...
6 Romains ou 12 Romains. Ouais, on peut choisir d'avoir le nombre de Romains qu'on veut, on peut choisir d'avoir différents types de Romains ou autres d'ailleurs dans le squad en mélangeant et en les plaçant à différents endroits. Par exemple, on peut avoir, ici je vais mettre par exemple un centurion et puis des Romains. D'accord, et c'est toi qui choisis aussi s'ils vont être plus ou moins costauds. Voilà, ils sont réglables totalement. Dans chaque squad individuellement, on peut régler les paramètres des Romains pour qu'ils soient plus ou moins difficiles. Et pour qu'il soit plus ou moins rapide, ouais, ainsi de suite. C'est un truc un peu facile parce qu'on doit faire le test du jeu là, donc okay. Ça nous aiderait. D'accord. Et si je joue, voilà, là j'arrive dans le jeu directement avec le centurion et les Romains qui sont là. Et là tu peux tout de suite le tester avec la manette. Directement. Comme si tu étais sur console. Ouais, quoi. Ouais. Là, c'est la acoustique là. Ah ouais. Là, ah ouais. Tu peux taper ici et tu peux. Ouais, alors t'as pas la caméra, attends, je te remets la caméra. Voilà, vas-y. Ah ouais, voilà. Tourne la caméra avec ça. Voilà, de l'autre côté. Ouais, tu peux aller taper. Voilà. Ah ouais. Et comme ça, tu peux tester au fur et à mesure si le jeu fonctionne bien. Quoi. Voilà. En fait, c'est vachement facile de faire un jeu vidéo, quoi. Quand on a les bons outils, ouais. Bah, super. Merci beaucoup, Benjamin. C'est super. À bientôt. À bientôt. Ciao. Jean-Marie, tu peux nous expliquer c'est quoi toutes ces cartes qui sont affichées au mur là chez vous? Ouais. En fait, ce sont les plans des niveaux, enfin les plans initiaux. En fait. Ouais. D'accord. Donc tout commence par là, c'est-à-dire on met sur papier tout ce qui va constituer un niveau. Donc là, par exemple, on peut voir ici, là on a CP, ça veut dire checkpoint, par exemple. Donc c'est les points de sauvegarde. Voilà, c'est ça, c'est d'accord. Les points de sauvegarde. D'accord, et des niveaux comme celui-ci, il y en a combien dans le jeu? Alors ça, en fait, c'est une partie d'un niveau, une toute petite partie d'un niveau. En tout, il y a 6 mondes. Et je sais pas, ça représente peut-être un 60e de l'ensemble du jeu. Quoi. Ah d'accord. Donc il y a du boulot. Hein. Ouais, il y a du boulot. Et bah justement, figure-toi Jean-Marie qu'il est temps de passer au grand test du jour, celui de Astérix et Obélix XXL sur PS2. T'es tendu là, hein? Oui. Le verdict de Reset sur ce jeu, c'est tout de suite sur Canal+. Partout à 10, voici le test complet de Reset. Eh ouais, les plus irréductibles des Gaulois débarquent pour distribuer des baffes à ces pauvres Romains sur PlayStation 2 dans Astérix et Obélix XXL, un jeu qui n'a désormais presque plus de secret pour vous. Après plusieurs adaptations plutôt ratées des aventures d'Astérix et Obélix sur console, c'est donc à Étrange Libellule qu'est revenue la délicate mission de changer la formule. À savoir mettre au point un jeu d'action avec juste ce qu'il faut de réflexion et de séquences de plateforme. Autant vous le dire tout de suite, Étrange Libellule a visiblement trouvé la potion magique. Allez, on commence par le scénario. Après une rude journée de chasse aux sangliers, Astérix rentre sans se presser au village, mais notre héros va vite déchanter. Tous ses amis viennent de se faire capturer par les armées de Jules César, qui en a plus qu'à c'est de subir la dure loi de ces irréductibles Gaulois. Le but de votre mission est donc simple, retrouver vos compagnons. Pour ce faire, vous visiterez la Gaule bien sûr, l'Égypte, la Grèce et évidemment Rome. Pendant les premières minutes, vous ne dirigez qu'Astérix, histoire de vous familiariser avec les commandes. Puis rapidement, Obélix se joint à la fête pour vous aider dans cette aventure qui promet d'être passionnante et riche en action. Même idée fixe et de la partie. Les combats tiennent évidemment le haut de l'affiche. De ce côté-là, nos deux héros sont loin d'être des novices. Les claques s'enchaînent par centaines et la prise de potion magique décuplera vos forces, envoyant vos adversaires à l'autre bout de l'univers. Au cours du périple, vous gagnerez de nouveaux coups spéciaux, comme le marteau pilon ou encore la très spectaculaire tornade qui fera le ménage chez les ennemis de façon radicale. Avec une prise en main simple et immédiate, ces phases d'action sont vraiment fun à jouer et jamais répétitives. Bon, les bourre-pifs c'est bien, mais faut quand même réfléchir un petit peu de temps en temps. Alors à certains moments clés, vous devrez résoudre de petites énigmes où il faudra allier les compétences de nos deux héros. Visuellement, Astérix et Obélix XXL n'est pas mal du tout, on retrouve bien l'ambiance et l'humour de la bande dessinée. Nos deux héros, en outre, sont parfaitement bien modélisés et bénéficient de nombreuses animations amusantes. Les niveaux sont également à la hauteur, même si certains lieux manquent un petit peu de vie. Obélix. Quelque chose de terrible. Allez, il est déjà temps de récapituler ce qu'il faut retenir de cette Astérix et Obélix XXL sur PS2. Premièrement, l'action assure un max et les combats sont bien dans l'esprit BD, grâce notamment aux coups spéciaux. La prise en main ensuite est agréable et c'est un vrai bonheur de diriger nos deux Gaulois préférés. On relève aussi que pour une fois, l'univers d'Astérix est parfaitement respecté et mis en valeur dans un jeu vidéo. Enfin, le jeu est intégralement en français, c'est toujours important et les doublages de très bonne qualité. Obélix.
Côté négatif, on relève un léger manque de vie dans certains niveaux, ce qui laisse parfois une impression de vide lorsque les combats se terminent. Les caméras en outre posent quelques petits problèmes, elles se placent un peu trop près des persos et on ne voit plus correctement d'où arrivent les ennemis. Enfin, la durée de vie est un peu légère, on voit le bout de l'aventure un peu trop rapidement à notre goût. Au final, Astérix et Obélix XXL sur PS2 est une belle réussite qui plaira assurément aux fans de la BD et aux accros de castagne. Quoi qu'il en soit, voici bel et bien le meilleur jeu mettant en scène les deux Gaulois depuis très longtemps. La note de reset, c'est 16 sur 20 partout à 10. Eh ben Jean-Marie, une fois de plus, merci. C'était vraiment sympa de passer cette journée avec vous. De même, pareil. Encore bravo pour le jeu, rendez-vous en 2004, donc pour les versions GameCube et PC. Hein. C'est ça, ouais. Version PS2, elle est sortie. Mmh. Bon, bah à bientôt. Ok, merci et au revoir. À bientôt dans Reset. Ouais. Nous, on revient dans la station-service Reset dès le week-end prochain sur Canal J. Vous connaissez les horaires, hein, samedi et dimanche dans les deux cas à 13h40. Ciao, salut. Salut, au revoir. Oh,